Je m'appelle Radwan Mebarki et je suis président fondateur de l'association Tout est possible. David Violi, l'ensemble Le Jardinier. Et on aide les publics les plus fragiles à révéler leur potentiel. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une lumière en chacun d'entre nous. Et puis finalement, on prend des gens qui ont peut-être un peu perdu confiance ou qui n'ont pas eu l'idée au bon moment. On les prend, on leur donne confiance, on les prend par la main. On les fait mettre le doigt sur le sujet pour lequel ils sont venus au monde naturellement. Et on essaye de trouver le véhicule pour qu'ils puissent en vivre. Les musiciens, c'est beaucoup des amis en qui on croit énormément, qui nous touchent par leur tempérament, leur esprit créatif, en fait, chaque personne a vraiment quelque chose de différent, quelque chose d'un peu spécial et c'est comme un réservoir de talent en fait, cet ensemble qu'on essaie de configurer de manière un peu différente à chaque fois en fonction de la nature des projets. Alors on structure des outils pédagogiques en fait, on a commencé par du papier, aujourd'hui on fait un peu de numérique, beaucoup numérique même, et on structure ça à partir des conclusions de la recherche scientifique en éducation et on le propose aux enseignants, on les accompagne dans la mise en œuvre et on mesure à chaque pas l'évolution des élèves avec la mise en œuvre de ces outils-là. On est fondamentalement convaincu qu'on a tous un projet sur Terre. On a tous un truc magique à l'intérieur de nous. Et forcément, il y a des biais, il y a des expériences de vie qui vous font l'oublier un petit peu. Et en fait, notre job, c'est de se dire, en fait, il y a cette lumière à l'intérieur de nous. Et même si tu as pris un coup parce que tu n'as pas eu le bon diplôme ou le bon endroit où tu es né ou le divorce ou l'accident de vie ou le dépôt de bilan de l'entreprise, enfin tout ce qui peut t'arriver, en fait, c'est dans ce moment de brouillard de vie de venir dire, bah, en fait, il y a de la lumière. Il faut juste qu'on la retrouve. Et une fois qu'on retrouve cette lumière, on s'en sert comme boussole pour redéfinir un nouveau projet d'emploi. C'est avoir confiance et savoir que nos partenaires vont donner le meilleur avec nous et vont mettre tous les efforts nécessaires à construire le rêve commun en fait. Croire au potentiel de chacun, c'est vraiment éviter de laisser des talents endormis et des destins interdits qui sont reconduits parce qu'on imagine que si on n'a pas ceci, on ne peut pas faire cela et parce que si on ne présente pas telle ligne, on est interdit d'aller sur cette voie-là.